Paschy Chrystusowej to czytamy z Ewangelii Świętego Jana z Nowego Testamentu. Ewangelia Świętego Jana, 4 rozdział. A gdy Pan się dowiedział, że faryzeusze usłyszeli, iż Jezus zyskuje więcej uczniów, więcej chrzci niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale jego uczniowie, opuścił Judeę i odszedł z powrotem do Galilei. A musiał przychodzić przez Samarię. Przybył więc do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które Jakub dał swemu synowi Józefowi, a była tam konia Jakuba. Jezus więc musiał podróżą usiadł sobie. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Uczniowie jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do niego: jakże ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej: gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie: daj mi pić, wtedy sama prosiła go i dałaby ci wody żywe. Mówi do niego: Panie, nie masz nawet szerbaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc masz tę wodę żywą? Czy pośród jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc: każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnąć na wieki, lecz woda, którą ja mam, udam stanie się w tym grono wody wytrastującej, który Jezusowi wierzchlewa. Rzeczy do niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abyś nie pragnęła i tu nie przychodziła wyczerpać wodę. Mówi jej: idź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta, mówiąc: nie mam męża. Jezus rzekł do niej: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś. Rzekła niewiasta: Panie, widzę, że prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy też mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć udawać. Rzekła jej: nie wiem, gdzie jest niewiasta. Wie, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będzie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć duchu i prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy mu cześć oddawali Ojcu duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu oddawać duchu i prawdzie. Rzekła niewiasta: wiem, że przyjdzie Mesja, znaczy Chrystus. Gdy On przyjdzie, wszystko nam oznajmi. Rzekł Jezus: ja, który mówię z Tobą, jestem Nim. W tej właśnie chwili przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z niewiastą. Nikt nie tak nie rzekł, o co pytasz, albo o co z nią rozmawiasz. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój twarz. Pobiegła do miasta i powiedziała ludziom: chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do niego. Tymczasem jego uczniowie prosili go, mówiąc: Chrystus jest. Ale on rzekł do nich: ja mam pokarm do jedzenia, który wy nie wiecie. Wtedy uczniowie mówili między sobą: czy kto przyniósł mu jeść? Jezus rzekł do nich: moim pokarmem napełnił wolę tego, który mnie posłał i dokonać jego dzieła. Czy wy nie mówicie: jeszcze 4 miesiące, nadejdzie żniwo? Otóż mówię wam, podnieśli oczy swoje i spójrzcie na pola, że już są dojrzałe do żniwa. Już nie was odbiera zapłatę, zbiera blond na żywo wieczny, aby sierca i żniwa wspólnie się radowali. W tym właśnie sprawdza się przysłowie: inni sieje, a inni nie. Ja posłałem was to zawsze wy nie zgubiliście się, inni nie zgubili, a wy zbieraliście blond i fragment. Entrer dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait.
Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur du monde. » Le Seigneur est venu ici dans sa mission et le Seigneur a choisi des disciples pour le suivre. Et beaucoup étaient baptisés de Jésus et certains de Jean. Mais Jésus devait passer par la Samarie, il est écrit. Et ce « il devait », c'est une parole que nous devons faire une grande attention. Que signifie « il fallait que le Seigneur passe par cette ville de Samarie » ? Quelle était la raison que Jésus passe par cette ville de Samarie ? Et cette ville s'appelle Sichar. Et cette région de Samarie, la ville s'appelle Sichar, et cette femme, elle avait certaines caractéristiques. Elle était d'un côté très pécheresse, elle avait eu 5 maris, et celui qu'elle avait maintenant n'était pas le sien. Mais de l'autre côté, nous voyons qu'elle s'intéresse des choses divines, les choses de Dieu. Elle se demandait qui avait raison. Et à Samarie, les Samaritains adoraient Dieu en Samarie. Et elle voulait savoir qui avait raison. Elle avait une certaine envie, un désir vivant de savoir. Elle avait dans son cœur une volonté de savoir, mais dans sa vie, il y avait le péché, la transgression. Le Seigneur et regarde, il est venu à Sichar, à un village, et ces villageois, tous ces villageois, savaient pour le Messie, et l'attendaient, et et une femme précise, différente, et cette femme différente qui était là, pas que nous sommes sans péché, mais que le Seigneur mette dans notre cœur cette envie de demander, de vouloir savoir et de connaître. Cet intérêt qu'ils mettent ceci dans notre cœur, les intérêts de Sichar. Et elle attendait le Messie qu'il vienne. Nous savons que c'est les derniers temps que nous vivons. Nous voulons avancer dans la vérité de l'Évangile. Nous voulons apprendre à rejeter directement avec nos sens tout ce qui est inutile et que nous prenions ce qui est utile. Et que le Seigneur soit avec nous et qu'il nous utilise comme sa propre bouche. Et si cela, nous le demandons, nous le désirons vivement que le Seigneur passe devant nous. Il doit venir nous rencontrer. Et ça, c'est le plus important. Le plus important, ce n'est pas ce que nous pouvons faire. Le plus important, c'est que le Seigneur vienne me rencontrer. Il doit venir te rencontrer. Il doit venir dans ta famille. Il doit venir dans l'Église. Et alors, lorsque le Seigneur vient, alors il a la manière de transformer la Samaritaine qui est pécheresse en une sainte femme.
et tous ceux qui sont dans la transgression, toutes ces personnes, de les rendre croyants avec une révélation divine. Et le message, chers frères et sœurs, aujourd'hui, c'est un message qui m'est très à cœur, parce que je voudrais que le Seigneur te rencontre, il vienne vers toi personnellement, et d'une manière que tu ne le comprendras pas, mais soudainement, tes yeux vont s'ouvrir lorsqu'il dira « c'est moi ». Et il viendra te rendre visite dans tes besoins quotidiens, dans tes difficultés, dans tes soucis. Lorsque ici cette femme samaritaine est allée remplir au puits sa cruche d'eau, et le Seigneur était là. Et le Seigneur ne prend pas en compte son effort et il ne prend en compte rien de ses efforts qu'il accomplit. Ce qui l'intéresse, le plus important, c'est qu'il attend de rencontrer la Samaritaine là où elle va venir. Et là, je voudrais, là où j'aille, que je rencontre le Seigneur et que le Seigneur m'attende. Et l'Écriture nous dit, je l'ai entendu et je l'attends pour que je le bénisse. Il est très bon le message que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Et je considère que c'est un message fantastique, prodigieux, un message où le Seigneur doit venir dans ma vie. Il doit donner des réponses à mes questions, à mes besoins quotidiens, à mes soucis, répondre à mes difficultés, et par la force du Saint-Esprit, et qu'il me donne des lèvres qui ont des paroles vivantes, parce que Dieu est allé vers la Samaritaine et lui a donné des paroles. Mais ce n'est pas la Samaritaine qui est allée vers Jésus, mais c'est Jésus qui est allé vers elle. Et pensez, dans un village, ou dans ce village où je ne sais pas combien d'habitants il y avait, et les villes n'étaient pas grandes, et les villages non plus n'étaient pas très... il n'y avait pas beaucoup d'habitants, et le Seigneur est allé, il leur a dit. Et la Samaritaine est allée, elle a dit à ceux qui étaient dans le même village qu'elle, « Venez, c'est peut-être le Messie, il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Et tous ceux qui l'ont entendu sont venus, parce qu'ils ont cru à ses paroles. Tu dis une parole, et que tu exprimes, pas ta foi, ton espérance, au nom de Jésus, et que tu voyes le résultat que le Seigneur va accomplir. Tous vont croire en tes paroles et venir. Et lorsqu'ils viendront, et après ils diront pas, nous croyons par tes paroles, mais parce que nous avons cru que lui est le Seigneur, le Messie. Et pensez que nous tous, que nous nous transformions, que le Seigneur nous fasse comme cette Samaritaine. Un par un, séparément, combien de sichars seront sauvés de village, et le sichar de chacun de nous, parce que toi, tu as une sichar, et moi aussi, une ville dans laquelle je vis, et des personnes avec lesquelles je côtoie, et dans le voisinage, les personnes qui me parlent et qui me disent bonjour, et nous échangeons des points de vue et des avis. Seigneur, fasse que nous soyons comme cela. Et chers frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose que nous ferons nous-mêmes. C'est quelque chose que nous allons nous soulever et nous allons faire quelque chose de nous-mêmes. Nous ne pouvons pas. Ici, lorsque le prophète Jean, le plus grand des prophètes, Jean le Baptiste, disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il n'y a eu que deux personnes qui ont cru en lui, André et un autre disciple, lorsqu'il a dit « Voici l'agneau de Dieu ». Et
Tout Jérusalem était là présent, toutes les foules et la Judée étaient venues pour se baptiser. Et deux personnes ont entendu les paroles de Jean et ont suivi Jésus-Christ. André et l'autre disciple. Et André a parlé à Pierre et Pierre est venu aussi et ils sont partis de nouveau. Et regardez la différence. Les Samaritains ont parlé, ils ont vu et ils sont restés. Alléluia Seigneur. Et qu'est-ce la Samaritaine? Quelle est cette femme? Et peut-être que nous lui parlerons peut-être même pas. Et si le pharisien était là, il aurait dit, « Oh, tu parles à cette femme-là, elle est Samaritaine et en plus elle est pécheresse. Et en plus elle est hérétique et dans le péché, et très pécheresse. » Mais le Christ, c'est elle qu'elle a choisie. Et à elle, elle lui a donné la grâce que sa parole et que ses lèvres apportent les paroles divines. Et que sa parole... Et il y a deux femmes que je considère dans l'Écriture, que j'admire. C'est la mère de Jésus-Christ, Marie, pour son humilité. Mais deux, non, Marie de Magdala, qui a obligé Jésus, par son amour, de se révéler d'abord à elle, et de se révéler, et de révéler sa résurrection. La première qui a vu Jésus ressuscité, c'est Marie de Magdala. J'admire son amour. Et la deuxième femme qui m'étonne et que j'admire aussi, c'est la Samaritaine. Elle aussi pécheresse, mais j'admire ce qu'elle a eu comme résultat, ce qui s'est produit par sa révélation, par son témoignage. Et après le jour de la Pentecôte, lorsque Pierre a fait la prédication, il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu la foi. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ses péchés. C'est comment Dieu dépasse les fautes et le péché. Comment le Seigneur dépasse tes faiblesses et nos fautes. Et le Seigneur les dépasse, ne prend pas en compte. Le Seigneur ne voit pas comme voient les hommes, mais Dieu voit le cœur. Et dans le cœur de cette femme, il voit des questions. Qu'est-ce qui est vrai? Quelle est la vérité? Et le Seigneur vient, et le Messie vient la rencontrer. Il vient la rencontrer. Lorsque le Seigneur, lorsque le Messie viendra, il nous dira tout. Il n'y a pas d'autre. Elle ne va pas chez les pharisiens ou chez les scribes. Elle n'a pas confiance aux hommes. Lorsque le Christ viendra, il nous révélera toutes ces choses. C'est un cœur magnifique. C'est une femme qui attend avec patience, et nous attendons avec agonie, ici au puits de Sichar. Et le Seigneur connaît ses habitudes, le Seigneur connaît ses besoins, et le Seigneur connaît tout dans notre vie. Et le Seigneur va patienter pour l'attendre. Et avec un grand effort et souffrance et fatigue, et il attend là le Seigneur, après une grande fatigue, il attend que cette femme arrive pour puiser de l'eau dans le puits. Et c'est justement à midi, lorsqu'elle viendra toute seule, lorsqu'il pourra lui parler, c'est là où elle sera seule, là où tu seras seul, c'est là que le Seigneur viendra te rencontrer. Et là où le Seigneur attend, il est assis. Et il a aussi renvoyé ses disciples pour aller chercher à manger. C'est le saint qui attend la pécheresse, le Messie, et celle qui attend le Messie. Alléluia. Donc, il voit qu'elle vient avec sa cruche, et elle vient puiser de l'eau, et il dit vers elle, « Donne-moi à boire. » Et elle, étonnée, elle a été bouleversée, elle ne s'attendait pas qu'un juif qui lui parle,
Mais c'était le Messie, c'était le Christ, mais elle ne le savait pas. Elle croyait que c'était une simple personne qui était fatiguée, qui était là. Et comment elle dit, toi, juif, tu me demandes à moi, qui suis une femme samaritaine, de l'eau à boire, parce qu'il n'avait pas de relation entre les juifs et les samaritains. Et le Seigneur répond, suivant sa sagesse et son amour, et il a préparé quelque chose pour la prendre, pour la faire. Il s'est péché, il s'est attiré l'intérêt des hommes pour les faire venir dans son salut. Et si tu savais, il lui dit, la grâce de Dieu, et si tu savais qui est celui qui te demande, donne-moi à boire, toi tu lui demanderais de l'eau à boire. Si tu savais, mais tu ne sais pas. Si tu savais qui est celui qui te parle et qui te demande à boire, toi tu lui demanderais à boire. Et ce qui est important, que cette femme, elle le considère comme quelqu'un d'insensé. Elle est étonnée, elle est bouleversée. Et ce sont des caractéristiques qui sont beaux. Et c'est bien de ne pas se moquer de ton prochain, parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Certains ont hébergé des anges sans le savoir, parce qu'ils ont pris des pauvres dans leur maison. Ils ont hébergé des pauvres dans leur maison. Elle n'a pas de prétention en elle. Elle ne dit pas « je sais ». Elle a des questions en elle. Elle a des points d'interrogation qui se posent en elle. Elle n'a pas de préjugés. Elle n'a pas de jugement ou de critique ou d'accusation. C'est une femme pécheresse, mais qui est dans l'humilité, qui n'est pas prétentieuse. Elle n'est pas là, elle ne parle pas d'un air élevé vers Jésus ou d'un air moqueur ou d'un air de raillerie, mais elle a une position d'humilité. Elle parle avec intérêt de savoir, de connaître et ne pas avoir un esprit de moquerie. Et la femme lui dit, il est vrai que tu n'as pas de puits, de seau, et le puits est profond. Comment me donneras-tu de l'eau? Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de ce puits lui-même et a donné à ses enfants et à ses troupeaux? Elle ne s'est pas moquée de lui, elle n'a pas rigolé. Elle a demandé de comprendre comment toi, tu veux me donner de l'eau, mais tu n'as pas de seau, tu n'as pas de cruche, tu n'as rien pour puiser de l'eau dans le puits. C'est une femme qui est bonne, c'est une femme qui est, elle a un bon cœur. Tu n'as pas de seau, le puits est profond. Où vas-tu trouver cette eau vive? Notre père Jacob nous a donné ce puits. Est-ce que toi, tu es plus grand que Jacob? Tu vas nous donner un plus grand puits? Et Jésus continue au deuxième stade, au deuxième... Et il lui parle. Et il lui dit, celui qui boit de ce puits, de cette eau-là, il va re-avoir soif. Il aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, cette eau-là deviendra en lui une source d'eau vivante et une source de vie éternelle. Puisqu'il a apporté cette femme près de lui, avec cette relation qu'il a eue comme être humain, mais maintenant il est en train de lui révéler le spirituel, les choses éternelles qui sont en dehors de ce qui est terrestre.
Il lui parle que celui qui boit de cette eau-là, de cette eau que moi je lui donnerai, il n'aura plus soif dans ce monde. Mais ce n'est pas, il a une autre relation, ce n'est pas l'eau de ce monde. Dans le deuxième stade, dans le deuxième couche, dans la deuxième, dans ce qui est céleste. Et elle continue, elle s'intéresse à cela. Elle désire vivement ce qui est spirituel. Elle a envie de connaître la vérité. Et elle dit vers lui, elle lui parle, « Je voudrais avoir de cette eau-là pour que je n'ai plus soif et que je ne vienne pas ici puiser de l'eau. » Elle ne comprend pas. Elle le voudrait ne plus avoir soif. Elle veut ne plus avoir soif. Mais elle ne comprend pas. Elle croit. Comment cela puisse se faire? Elle veut des explications de cet homme. Parce que son cœur, ce n'est pas une terre qui est piétinée. Ce n'est pas un cœur qui est rempli de pierres et qui n'est pas rempli de ronces et d'épines. C'est un cœur qui accepte la parole. C'est un cœur qui a un retour à ces paroles de Dieu, qui a une réponse à la parole de Dieu. Ici, Jésus lui révèle. Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. Prends ton mari avec et viens ici. » Et là, elle révèle, elle confesse ses péchés. Et la femme révèle, elle dit, elle confesse, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus lui dit, « Oui, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. » Et elle ne dit pas, « Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Ce n'est pas vrai. » Et pourtant, il se passe quelque chose en elle. Elle ressent qu'il y a quelque chose qui se produit en elle. Et elle dit, « Je vois que tu es prophète. Je vois que tu sais tout. » Je m'arrête ici pour vous dire que les 3 couches ont obligé, les 3 stades qui ont obligé Jésus à passer par Sichar. C'est une femme qui ne se moque pas, qui s'intéresse pour son intérêt de son âme. Et elle aime son prochain et elle ne se moque pas. Et elle écoute avec attention. Et lorsque Dieu apporte devant elle le spirituel, elle lui parle, elle s'intéresse à ce spirituel. Et l'apôtre Paul, « Je ne veux pas que vous ignoriez pour le spirituel. » Il ne parle pas pour l'époque ou pour une certaine époque. Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Il est le même. Ce qu'il a fait hier, il le fera aujourd'hui et demain. Et la troisième couche, le troisième stade, c'est la sainteté, la sanctification du corps, de l'âme et de l'esprit. Et elle témoigne, elle confesse ses péchés. Oui, tu as raison, c'est vrai, j'ai eu 5 maris et celui que j'ai maintenant, c'est un étranger, tu es prophète. Mais il ne s'arrête pas là. Maintenant, elle exprime sa question et où devons-nous prier, en Samarie ou bien à Jérusalem? Tu es prophète, dis-moi, de toi j'attends une réponse, j'ai des questions, non seulement elle a de l'intérêt pour le spirituel, mais elle cherche des réponses à ces questions, spirituelles. Dis-nous, dis-moi, nos pères ont adoré ici Dieu. Et vous, juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer Dieu. Et Dieu la révèle la vérité. Et Jésus lui révèle la vérité. Et lui dit, femme, crois-moi que l'heure est venue, que ce qui intéresse à Dieu, ce n'est pas où nous adorerons, mais comment nous adorons Dieu. Parce que Dieu, c'est comme ça qu'il désire que l'adore ses vrais adorateurs, en vérité et avec esprit. Elle a pris, elle a eu réponse à toutes ces questions, mais elle veut être certaine. Je sais que le Messie va tout nous dire, va nous dire toute la vérité, va répondre à toutes nos questions. Oui, tu réponds bien, c'est bien, mais je ne veux pas que toi tu nous le dis.
mais je veux que c'est le Seigneur, le Christ, nous l'ait dit. Et c'est une femme qui est fantastique. Et c'est terrible ce qu'il se passe dans son péché et dans sa transgression. Et ce que nous entendons, nous, les prédications, ici, nous voyons qu'elle, elle les met en pratique sans connaître l'enseignement de Dieu, l'éducation de Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est la parole du Messie, la parole du Christ. Seulement le Christ m'intéresse ce qu'il dit. Oui, tu es bien, tu dis de bonnes paroles, mais tu es un homme, tu es un être de la terre. Et là, le Seigneur se révèle. Là, il ne peut pas se cacher. Il révèle, il dit, c'est moi. Celui qui te parle, c'est moi le Christ, le Messie que tu attends. Et elle a cru immédiatement. Immédiatement, elle abandonne sa cruche, son seau, et elle court, elle abandonne tout ce qu'elle a fait toute sa vie. Et ça, c'est le Christ, où le chrétien oublie tout. Et là, elle n'a plus d'autres besoins, elle n'a pas d'autres soucis. Elle va aller dire aux autres ce qu'elle a su, ce qu'elle a entendu. C'est le Messie. Et souvenez-vous de notre jour où nous avons eu la nouvelle naissance, où nous avons pleuré, pleuré et pleuré. Et nous sommes allés à dire à tous nos proches, à notre famille, que le Seigneur libère, libère les pécheurs et que l'évangile du Christ est vrai. Elle laisse sa cruche, son seau, et elle court et elle dit « J'ai trouvé le Messie !» Et elle court. Et elle va à Sichar, dans la ville que le Seigneur sait que cette ville attend le Messie. Tout est prêt. Et le Seigneur ne part pas. Il attend. Qui il attend? Il attend tout Sichar, tout le village. Est-ce qu'il ne doit pas aller en Galilée? Oui, là il doit aller. Mais là, il y a priorité Sichar. Seigneur, chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez comment est important la priorité de Dieu, que tu sois priorité en lui, qu'elle soit la famille, ta famille, l'Église. Il doit aller en Galilée, mais d'abord, il y a Sichar. Et ses disciples arrivent et ils viennent et ils le voient parler avec cette femme. Et elle est partie. Et « Seigneur, veux-tu manger quelque chose ?» lui disent ses disciples. Et il répond « J'ai déjà mangé ». Et l'homme ne vivra pas simplement de nourriture, mais de paroles divines. Et il n'a pas bu d'eau non plus. Il n'a pas mangé non plus. Et pourtant, il était fatigué. Et nous allons faire aujourd'hui comme ça. Nous n'allons pas manger ni boire parce que nous jeûnons. Parce qu'il nous intéresse aujourd'hui, ce qui nous intéresse, je vais le dire, c'est le salut de ceux qui sont proches dans notre famille. C'est ceux qui nous sont autour. Nous voulons persuader le Seigneur que nous avons priorité dans qu'il vienne en priorité chez nous et que nous sommes Sichar. Et ce ne suffit pas que tu aies rencontré la Samaritaine, mais il attend qu'elle apporte tout le village vers lui. Et je voudrais que le Seigneur, que nous apportions toute notre famille vers le Seigneur, et pour que nous apportions tous les nôtres, toute notre famille, il faut que le Seigneur nous rencontre. Et le Seigneur doit nous patienter, comme il a patienté pour la Samaritaine qui était pécheresse. Mais son cœur, dans son âme, dans sa demande, dans son désir vif qu'elle avait de connaître Jésus, de la vérité. Oui. « J'ai mangé, dit Jésus. Non, je veux rien manger. Ce qui m'intéresse, c'est Sichar. Rien, je ne veux manger. Ce qui m'intéresse, c'est Sichar. Je ne veux rien boire. Ce qui m'intéresse, c'est Sichar, le village. Ça, c'est ma nourriture. C'est de faire la volonté de Dieu et de terminer et de mettre et d'accomplir la volonté de Dieu. Et que celui qu'il puisse aujourd'hui ne pas manger, ne boire toute la journée, c'est bien. Parce qu'il nous intéresse, c'est Sichar. C'est nos proches. C'est ceux qui nous entourent. C'est ceux qui sont autour de nous. C'est la première des priorités.
c'est notre Sichar, c'est ta Sichar, c'est notre Sichar. Dans peu de temps, tout Sichar sort et vient vers Jésus, et devant va la Samaritaine. Et il est resté 2 jours avec ses habitants. Et après les 2 jours, les habitants lui ont dit, « Écoute, femme, nous n'avons pas cru parce que tu nous as parlé, maintenant nous croyons parce que nous l'avons vu. Nous avons cru en la vérité, nous avons vu Jésus. » Amen. »